Donc, il est 14h30, je déclare la séance du Conseil communautaire ouverte. En préambule, je vous remercie de ne pas quitter la séance comme d'habitude, sans avoir signé au préalable tous les documents, feuilles de présence, approbation du PV du 25/9/2023, décision modificative. Par ailleurs, trois délibérations ont fait l'objet de légères modifications. Le point numéro 6, délibération CC 2023-151, objet convention de raccordement, gestion, entretien et remplacement de lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique pour la gendarmerie du Bosset. Le projet de délibération et le projet de la convention initialement transmis comportaient une erreur sur la dénomination d'une des parties à la convention et ont été modifiés en conséquence. Ces deux nouveaux projets vous sont distribués. Point numéro 7, délibération CC 2023-152, renouvellement de la convention de partenariat entre la CASFD et les communes de Bandol, du Bourset et de Saint-Marie-sur-Mer pour la création du réseau des médiathèques. Il convient de modifier le titre de la délibération comme suit: renouvellement de la convention de partenariat entre la CASFD et les communes de Bandol, du Bourset, de Saint-Marie et de Signes pour la création du réseau de médiathèques. En fait, il avait été oublié la ville de Signes. Le contenu de la délibération reste inchangé. Point 21, délibération CC 2023-166, signature des contrats de mixité sociale pour la période 2023-2025 pour les communes du Castel de Bosset, de la Cadire d'Azur, de Bandol, de Saint-Marie-sur-Mer, de Saint-Cyr-sur-Mer avec la CNCB État. Sur la demande de M. le préfet du Var, les projets de contrats de mixité sociale sont à amender sur deux points. Volet 3, article 3, les projets de logements sociaux pour 2023-2025. Il convient d'ajouter en fin d'article les deux paragraphes suivants. La commune et l'EPCI s'engagent à faciliter au maximum la réalisation des projets de logements sociaux en maîtrise d'ouvrage directe par les bailleurs sociaux ou dans le cadre des projets mixtes en vente en l'état futur d'achèvement, VFA, par les promoteurs immobiliers. Il est rappelé que la note circulaire du préfet du Var du 27 mars 2023 demandant aux maires des communes soumises à l'article 55 de la loi SRU de transmettre aux services en charge du contrôle de l'égalité les arrêtés de refus de permis de construire qu'ils opposent au projet de logement collectif comprenant toute ou partie de logements sociaux. Le volet 3, article 4, pilotage, suivi et animation du contrat de mixité sociale. Il convient d'ajouter en fin d'article le paragraphe suivant. Un comité spécifique destiné à faire un point sur les avancées des actions en matière de foncier visées à l'engagement 1 se réunira une fois par mois sous la présidence du corps préfectoral et composé de représentants de la commune, de l'EPCI, de l'EPFPACA et de la BDTM. Les bailleurs sociaux pourront aussi y être associés. Il est à noter que ces ajouts n'ont aucune incidence sur le fond. Avant convocation en conseil communautaire, les communes de la Cadire d'Azur et du Castellet ont entériné cette modification. En revanche, le contrat de mixité sociale de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, initialement envoyé, a été modifié suite à la demande de M. le préfet en date du 14 novembre. Le contrat a été amendé en ce sens. Concernant les contrats de mixité sociale des autres communes, il sera procédé aux mêmes modifications sans qu'il soit nécessaire de repasser en conseil communautaire. Il n'y a pas de remarques. Tout le monde est d'accord pour qu'on intègre ces modifications. C'est parfait. Merci beaucoup. Oui. Je vais procéder à l'appel nominal du conseiller communautaire. Monier Blandine, présente. Jourdan René. Présente. Verdun Hélène, absente, donne son pouvoir à Yves Reynard. Arnaud Suzanne. Barthélémy Philippe, donne son pouvoir à André Samat. Pascal René. Joseph Jean-Paul, Fridler Edouard, Robert Patricia, Pasteur Daniel, Mondé Jean, Camel Muriel, Grané Jean-Luc, Mazella Famille, Porcure Robert, Depéretti Carole, oui, Elia Thibault, c'est marqué, merci Patricia, Miguelasio Eric, Thibault Eliane, Garcia Gilles, absent. Cotterou Robert, Roger, pardon. Présent. Samat André. Ferrara Louis. Présent. Guérou Pascal. Joanneau Bruno. Gohar Christelle. Présent. Mauvé Yvan donne son pouvoir à Joseph Jean-Paul. Larlet Loire Evelyne. Présent.
Sergent Christine. Donne son pouvoir à Corinne Bonifay. Delida Robert. Présent. Bonifay Corinne. Présent. Tessier Jean. Présent. Noël Nathalie. Présent. Long Sophie. Sorte. Serre Daniel. Présent. Collet Laurent donne son pouvoir à Édouard Fudler. Salle Michel. Présent. Perrier Gérard. Présent. Rachida Hamar a donné sa démission en date du 30 novembre. Renard Yves. Présent. Bourbon Valérie. Présent. Rocheteau Philippe. Présent. Guérel Émilie. Absente. Baé Marc. Présent. Présent. Merci. À la lecture de l'appel, le quorum étant atteint, je déclare que nous pouvons valablement délibérer. Pour débuter, je vous propose de désigner Patricia Aubert, secrétaire de séance. Y a-t-il une objection ? Pas d'objection, donc Patricia Aubert sera notre secrétaire de séance. Approbation du compte-rendu du Conseil communautaire du 25 septembre 2023. Avez-vous des observations à formuler sur ce compte-rendu ? Donc, il n'y a pas d'observation, c'est parfait. Donc, vous allez signer, vous allez vous faire signer des éléments. Donc, il y a eu tout un tas de décisions, il y a quelques décisions prises que vous avez reçues, donc je ne vais pas les lire. Je vous propose maintenant de passer à l'ordre du jour. Point numéro 1, adhésion au mouvement de commande des collectivités territoriales du Var au syndicat intercommunal Varois d'aide aux achats. Sival, Édouard Fridler. Bien, alors les deux délibérations sont liées. La première, c'est l'autorisation que nous allons éventuellement, je l'espère, donner à la présidente pour signer l'adhésion au groupement de commandes des collectivités territoriales du Var, le CIVAD. Je ne le présente pas car la plupart, si ce n'est pas la totalité de nos communes, y sont adhérentes. Donc une fois que le vote aura eu lieu, il s'agira de désigner un délégué et un délégué suppléant pour représenter la communauté. Les membres doivent être choisis parmi les membres de la comité d'appel d'ordre. Donc la présidente propose M. Louis Ferrara en tant que délégué titulaire et M. Philippe Rocheteau en tant que délégué suppléant. Donc il faut deux votes séparés, mais voilà la présentation. Merci, nous allons passer au vote. Donc, délibération 2023-146 pour l'adhésion. Y a-t-il des votes contraires ? Des abstentions ? À l'unanimité. Et pour les deux représentants, donc titulaires et suppléants, y a-t-il des remarques ? Je m'abstiens. Allez-y. Je m'abstiens juste. Ah oui, vous abstenez de voter ? Oui, d'accord, ok. Donc, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions, donc deux. Sûr. Y a-t-il d'autres abstentions à part M. Rocheteau et M. Ferrara ? Non ? Bon, voilà, à la majorité. Je vous remercie. Point numéro 3, délibération 2023-148, convention portant règlement de mise à disposition à titre gratuit de projets ciel fiscaux à destination des communes membres. Afin d'optimiser les bases fiscales des communes et de la CASSD, l'agglomération a fait le choix de se doter de logiciels fiscaux fin 2022. Elle a également décidé d'en faire profiter les communes volontaires à titre gratuit et ce depuis plus d'un an. Il apparaît nécessaire d'accompagner cette mise à disposition d'une convention portant règlement. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver cette convention. Y a-t-il des remarques ? Des votes contre, des abstentions, à l'unanimité. Point numéro 4, délibération 2023-149, adhésion à l'association intercommunalité de France. La communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume souhaite adhérer à l'association intercommunalité de France qui agit au service des territoires afin de bénéficier de la richesse d'expérience d'un réseau dynamique et de services dédiés aux problématiques intercommunales.
Elle pourra ainsi bénéficier d'informations et de soutien dans les prises de décision, contribuer à la dynamique du mouvement intercommunal, suivre et prendre part au grand débat sur les réformes territoriales, fiscalité, institutions, compétences décentralisées, être représentée auprès des pouvoirs publics et des partenaires de l'intercommunalité. L'adhésion implique une cotisation annuelle dont le montant correspond au nombre d'habitants multiplié par un taux de 0,11 euros. Il vous est ainsi proposé d'adhérer à l'association Intercommunalité de France pour un montant prévisionnel 2024 de 7 043,85 €. Y a-t-il des remarques? Des votes contre? Abstention? À l'unanimité. Point suivant, numéro 5, délibération CC 2023-150, approbation de l'avenant numéro 9 à la DSP VAR-THD portant évolution 2023 du catalogue de services d'accès au réseau d'initiative publique VAR très haut débit. Jean-Paul Joseph, je pense que tu feras les autres. Oui. Je te laisse le mot. Oui, Madame la Présidente, donc cet avenant numéro 9, vous l'avez dans le dossier, c'est très technique. Donc je dirais simplement qu'il a été validé à la commission de pilotage lors de l'avant-dernière commission de pilotage, et donc il vous est proposé de l'adopter, donc le catalogue de services d'accès au réseau d'initiative publique grâce au pays. Donc, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, délibération CC 2023-151, convention de raccordement, gestion, entretien et remplacement de lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique pour la gendarmerie du Bosset. Oui, enfin, ce dossier est en train d'éclore. Donc, la gendarmerie est éligible à la fibre optique. Donc il faut établir une convention entre le délégant et le délégataire de la PHD. Et comme vous avez dit, Madame la Présidente, il y avait une petite erreur sur la définition du délégant. Et ça a été corrigé. Merci Jean-Paul. Et d'ailleurs, c'est suite à ton œil avisé que cette erreur a été soulevée. Merci beaucoup. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, délibération. Point 7, délibération CC 2023-152, renouvellement de la convention de partenariat entre la CASSB et les communes de Bandol, du Bosset, de Sanary-sur-Mer et de Stigne pour la création du réseau des médiathèques. Jean-Paul. Oui, donc c'est un renouvellement à la fois du règlement intérieur et des conventions. Règlement intérieur, je crois qu'il n'y a pas de modification. Et pour les conventions, des modifications totalement à la marge. Merci Jean-Paul. Y a-t-il des questions? Je vous écoute, madame. Simplement, puisque je n'étais pas il y a 4 ans au sein de la communauté de l'information, nous rappeler pourquoi les deux autres médiathèques ne font pas partie du réseau. Il y en a 6, il y en a 4 qui sont en partenariat et voilà. Simplement, vous parlez. C'est une démarche volontaire en fait. Oui, pardon, merci Madame la Présidente. Oui, la bibliothèque de Saint-Cyr, je dirais, est complètement déjà en relais avec la médiathèque départementale du Var. Et je dirais, ça faisait un doublon puisque nous avons déjà tous les. Ah ben c'est toi qui gérais ça, Pascal. Voilà, donc c'est pas la peine de faire les doublons. Il n'y a pas plus d'explications que celle-ci, si ce n'est que nous avons déjà tous les réseaux divers et variés. Donc, il n'y a pas nécessité de. Après, comme le dit M. Joseph, c'est un choix volontaire. Donc, voilà. Oui, ce n'est pas. Merci. C'est à miser des moyens, notamment en termes de logiciels, mais dans la mesure où. Il y a une mutualisation qui s'intéresse au niveau de la structure départementale, c'est pas nécessaire. Absolument, c'est toute la gratuité. Nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y aura d'autres questions? C'est bon. Ah, oui, c'est bon. Donc, en fait, les Saint-Cyriens ne peuvent pas donc aller dans les autres médiathèques,
puisqu'en fait, il y avait un abonnement mutualisé dans la convention. Si, oui. Ah, oui, non, si. Tu sais qui peut m'expliquer ? Ça ne t'empêche pas d'aller dans les différentes médiathèques. C'est simplement qu'il y a un contrat de mutualisation. On met en commun les moyens et les communes qui le souhaitent participent à cette mutualisation, mais ça n'est pas une obligation. La mesure où ça sert avait déjà tout ce qu'il fallait. Voilà, il n'y a pas forcément de raison pour ce qu'il y a derrière. D'accord. Merci. Nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Point numéro 8. Délibération CC 2023-153. Convention pour la mise en œuvre des actions partenariales d'éducation et développement durable dans les écoles des communes de la Sud de Sainte-Baume. René Castel. Depuis 2015, la CLCSV accompagne l'éducation nationale de la circonscription de Saint-Marie-sur-Mer et la direction de CESEL catholique du Var dans la mise en œuvre du dispositif pédagogique relatif à l'éducation et au développement durable. Dans le cadre du marché, les prestataires retenus apportent leur expertise sur les thématiques définies par les représentants de l'éducation nationale. En 2024, 196 projets sont portés conjointement entre les enseignants et les prestataires désignés. Il s'agit d'interventions en classe et de sorties sur des sites dédiés en fonction des thématiques. École de l'agriculture, de la forêt, de la vie sous-marine, de la mer, du littoral, du potager, école des oiseaux, école de la faune méditerranéenne. En complément, la CRSSD propose au cycle 2 et 3, c'est-à-dire CM1 et CM2, une formation à apprendre à porter secours. Une convention annuelle est signée entre la CRSSD, le représentant de l'éducation nationale et le représentant de la direction diocésaine catholique du Var, afin de permettre la mise en œuvre de ces actions pédagogiques. La délibération est présentée au conseil communautaire afin de permettre à Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale et Monsieur le représentant de la direction diocésaine de l'enseignement catholique à la signer, à préciser le montant des crédits alloués par la communauté d'agglomération sud Sainte-Baume. Voilà. Merci Roger. Y a-t-il des questions ? Nous allons passer au vote. Qui est contre ? Ah pardon, je n'ai pas vu, excusez-moi. Juste pour mon information, parce que ça m'intéresse, en tant qu'ex-enseignante et aussi présidente de la commission de développement durable, donc c'est fantastique d'avoir pris cette décision en 2015, et donc j'ai pensé pour... notre ex-président. Est-ce qu'on a un retour, alors là c'est la pédagogie, est-ce qu'on a un retour des différentes activités menées dans ces écoles ? Est-ce qu'il y a des expositions par les enfants ? Est-ce qu'il... Voilà, je ne sais pas comment ça s'organise. Alors là, je ne peux pas vous faire le retour détaillé de tout ça, mais oui, il y a un retour très positif des enseignants et une montée en besoin des enseignants et un travail avec l'éducation nationale qui a été mené depuis 2021 avec l'inspectrice de circonscription qui nous a quittés pour vraiment faire coller les propositions faites par l'AGLO au sujet pédagogique qui était sur le territoire. Je te laisse Patricia. Non, mais c'est simplement que en vrai, c'est simplement que c'est intégré dans le corps des séquences pédagogiques et en fait l'évaluation elle est faite déjà par l'inspection à travers les travaux qui sont réalisés par les élèves, qui sont très multiples, mais au niveau d'abord du vocabulaire, au niveau aussi de l'expression écrite, de la lecture, et il y a des travaux pratiques aussi, des affiches, des chansons, donc c'est extrêmement riche et varié, et le nouvel inspecteur technique, donc il a signé désormais, voilà, donc, disait que c'était un vivier très intéressant, voilà, une dalle très intéressante et que ça rentrait parfaitement dans la nouvelle pédagogie, dirons-nous, que l'éducation souhaite mettre en place. Ça, je suis
suis absolument convaincue. Mais c'était plus, en fait, que le retour sur investissement, on va dire, qui se fait à l'intérieur des travaux d'élèves, parce que c'est intégré, effectivement, et donc, Madame la Présidente avait raison de préciser qu'il y a une grande adéquation entre les thématiques proposées et les contenus d'enseignement. D'ailleurs, il y a une progression en fonction des différents cycles qui sont, auxquels c'est proposé, quoi. Et pour que, justement, il y ait une adéquation parfaite et une intégration par rapport aux enseignements de chaque institut, enfin, chaque professeur des écoles qui entend mener telle ou telle action. Ça, c'est sûr, et je sais que les enseignants sont absolument ravis de cette éducation développement durable. Voilà, c'était simplement si on avait, nous, des témoignages, je veux dire, on s'intéresse à ça, donc, aussi, parfois, on peut assister à une séance dans une classe, je ne sais pas. Rapproche-toi des écoles de ta commune, je pense qu'il y a tout à fait possibilité d'assister. En fait, cette délibération est passée parce que, en fait, on signait sans délibération, parce que c'est juste pour mettre en conformité avec la réglementation. Et c'est quelque chose, comme tu l'as dit, qu'on a mis en place en 2015 avec Ferdinand Bernard, qui est très apprécié. Et du coup, depuis la précédente inspectrice de circonscription, on ne s'amuse pas, voilà, selon les enfants. Il y a un vrai travail fait en partenariat entre l'inspectrice avant et puis ce nouvel inspecteur et dans la même démarche pour vraiment coller sur les enseignements qui sont faits en classe. Donc, c'est un vrai plus pour les enseignants. Nous recevons régulièrement au cabanon des vignes, dans le cadre de l'école du potager, par exemple, c'est surtout les maternelles. Et ensuite, aux journées du olivier, nous recevons les classes de CM1, CM2, dans le cadre de l'olivier, là, et surtout aussi les vendanges d'autrefois, d'autres actions sur les narcisses ou sur les immortels. Et là, c'est, si vous voulez, on peut vous inviter pour passer une journée. D'ailleurs, votre binôme, qui a un enfant scolarisé à Saint-Marie, il est passé une journée avec nous. Il a pu voir tout ce qu'on peut réaliser dans une journée. Voilà. Merci Jean-Luc. Nous allons passer au vote. Il n'y a pas d'autres questions ? Nous allons passer au vote qui est contre. Qui s'abstient à l'unanimité. Point suivant, numéro 9, délibération CC 2023-154, loi climat et résilience, arrêt de l'inventaire des zones d'activité économique sur le territoire de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume. La communauté d'agglomération, en tant qu'autorité territoriale compétente en matière de création, d'aménagement et de gestion des zones d'activité économique, se doit de dresser l'inventaire des 10 zones conformément à l'article L318-2 du Code de l'urbanisme. Cet inventaire constituant un outil pour répondre aux enjeux de lutte contre l'artificialisation des sols et participant à une politique globale d'aménagement durable en matière de foncier économique a été réalisé par la CASNB avec l'appui de l'ODAT. Au préalable, avant que le Conseil délibère sur l'arrêt du dit inventaire, une consultation des propriétaires et occupants a été effectuée au travers d'une enquête par le biais d'un formulaire en ligne du 1er juillet 2023 au 30 juillet 2023, dont les retours ont été intégrés dans le présent inventaire. Il est proposé d'arrêter l'inventaire des zones d'activité économique et de le transmettre au syndicat mixte du SCOT, Provence Méditerranée, ainsi qu'aux communes membres en charge de l'élaboration du PLU. Y a-t-il des questions ? Je vous écoute. Tout d'abord, de remercier ceux qui ont fait cet inventaire, dans la mesure où il est très éclairant, je pense, pour, entre guillemets, les gestionnaires que l'on peut être. Je ferai simplement une recommandation, c'est plus une recommandation qu'une question. Je crois que toutes ces dernières années, il y a eu une certaine tendance
à construire beaucoup plus qu'à aider. J'entends par là, notamment pour le commerce local traditionnel. De nombreuses communes, et parmi les nôtres certaines, ont une tendance à créer des zones commerciales et sans se préoccuper pleinement, sans véritable concertation, de l'existant commerçant. Donc, je me permets de verser cela au dossier en disant, lorsqu'il y a des extensions commerciales, il est souhaitable qu'il y ait tout de même une grande concertation avec les commerçants et les habitants afin d'éviter la fermeture en pleine ville de nombreux commerces. Cela s'est passé d'ailleurs, on a l'exemple de la ville de Toulon, qui a dans un premier temps, avec Mayol, plus ou moins écrasé le commerce interne, et puis ensuite c'est le 84 ou le 83 ou le 86, enfin en tout cas la zone commerciale nouvelle, qui à son tour a écrasé Mayol. Heureusement d'ailleurs que la municipalité en question a pris des mesures pour relancer un commerce de proximité, mais quel gâchis quand on voit Toulon 1950 et ses commerces, et Toulon ensuite dans les années suivantes, et heureusement aujourd'hui un renouveau. Mais évitons l'erreur qu'a fait une capitale locale comme Toulon. Et y a-t-il d'autres remarques ? Merci M. Coutreau. Y a-t-il d'autres remarques ? Non du tout, merci Madame la Présidente. Nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Point suivant, numéro 10, délibération CC 2023-155. Approbation de la convention financière tripartite entre la CASSB, le département du Var et la commune du Castellet, relative à la réalisation des travaux d'aménagement d'un tourne à gauche sur la RD 559B au Castellet. Le département a pour objet l'aménagement d'un tourne à gauche au carrefour de la route départementale 559B avec le chemin du Castre sur la commune du Castellet. Cette opération vise à favoriser d'une part les échanges entre la RD 559B et le chemin du Castre qui dessert une zone d'habitat importante, par la création au carrefour d'un stockage central protégé par des îlots séparateurs et d'autres passes, à sécuriser les arrêts de bus et à favoriser l'accès aux containers de tri des déchets. Le montant global de cette opération est estimé à 283 419 euros hors taxe, soit 302 080 TTC. Les travaux relevant de la compétence de la CRSSB, à savoir les aménagements d'arrêt de bus et d'un point de collecte des déchets, seront réalisés auprès du département avec une participation financière plafonnée à 82 000 euros hors taxe de la communauté d'agglomération qui correspond au montant de l'aménagement des deux arrêts de bus, chemin du Castre et de l'aire de tri sélectif. Il vous est proposé d'approuver cette convention tripartite relative aux modalités administratives, financières et techniques de ces travaux, telles que jointes en annexe. Voilà, Madame la Présidente. Merci René. Y a-t-il des questions ? Nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Point suivant, il va y en avoir un petit paquet. Point numéro 11, délibération CC 2023-156, fixation des attributions de compensation définitive 2023. Bien, il est donc rappelé que pour réévaluer le montant des attributions de compensation, la restitution et l'étude des schémas directeurs est nécessaire. Or, ces derniers ne seront restitués que trop tardivement dans l'exercice 2023 pour permettre un travail complet. Ce travail sera terminé sur le prochain exercice. En conséquence, il est proposé au Conseil communautaire de fixer le montant des attributions de compensation définitive 2023, identique des attributions de compensation provisoires qui avaient été délibérées le 6 février 2023, comme l'indique la délibération qui est jointe. La présidente. Merci René. Y a-t-il des questions ? Nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Point numéro 12, délibération CC 2023-157, mise à jour de la programmation pluriannuelle. René. Compte tenu de l'avancement des divers chantiers et en préparation de la fin d'année comptable, il est proposé au Conseil communautaire de mettre à jour
la programmation budgétaire pluriannuelle selon les états qui vous ont été remis et d'intégrer les transferts de crédit au sein des décisions modificatives concernées. Merci René. Y a-t-il des questions ? Nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Point numéro 13, délibération CC 2023-158, délibération rectificative de l'affectation des résultats 2022 du budget annexe de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés. René. La délibération d'affectation du résultat du budget annexe de collecte et de traitement des déchets, votée lors de la séance du Conseil communautaire du 12 juin dernier, comportait une erreur matérielle dans le montant du résultat de clôture de l'année N-1, ça, inspection de fonctionnement. En effet, il était indiqué le montant de 2 022 201,65 € au lieu de 1 975 809,35 €, soit un montant de 46 392,30 € à régulariser. Cette rectification qui ne fragilise pas le dossier, le budget, pardon, est inscrite à sa décision modificative numéro 1. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver l'affectation des résultats 2022 ainsi que rectifiée. Merci René. Nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Point suivant, je vais vous faire la présentation des points 14 à 19, délibération 159 à 164. Voilà, oui, donc, il s'agit de 6 délibérations qui ont le même objet et qui concernent le budget principal et les 5 budgets annexes. Il est à noter que pour le budget principal et les budgets annexes de l'eau, de l'assainissement et de la collecte et traitement des déchets ménagers, les décisions modificatives présentées au Conseil communautaire du 25 septembre dernier comportaient des écritures erronées qui ont empêché leur prise en charge par la DGF FIP. Aussi, il convient de procéder au retrait de ces dernières, puis de proposer au vote leur version au sein desquelles les écritures bloquantes ont été retirées. Vu l'avancement du budget principal et des budgets annexes de l'eau, l'assainissement, de la GEMAPI, de la collecte et traitement des déchets ménagers et des transports, il est nécessaire de procéder aux ajustements de crédit détaillés dans les documents budgétaires et dans les notes synthétiques jointes. Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir autoriser les jeux d'écriture tels que présentés. Madame la Présidente. Merci, René. C'est ça. Donc, délibération 159 à 164. Je vous propose qu'on les vote d'un trait, mais je vais vous laisser parler, Madame Serge, je vous en prie. Non, Madame Serge, c'est pas grave. J'y arriverai. Simplement, sans revenir dans tout le détail, on aimerait bien comprendre de quoi il s'agit exactement. Parce que vous parlez d'écriture erronée ou de chiffres erronés, mais de quelle nature sont ces erreurs? Si vous pouvez nous répondre. Parce qu'en fait, on l'a sur tous les budgets. Donc, de quoi s'agit-il? Je vais laisser les services répondre. Merci. Merci. Donc, Camille Pellegrin va vous détailler, c'est quand même expliqué dans la note synthétique. Il faut savoir en fait que là, c'est surtout l'ancienne DM, et ensuite on a mis des éléments à jour, mais c'est l'ancienne DM que nous repassons, et effectivement, il y a des erreurs d'imputation. Vous allez voir, c'est vraiment du détail, mais du coup, c'est important de le rectifier parce qu'il n'y avait pas de prise en charge possible par le logiciel, en fait, au niveau de la DGFIP, comme l'a rappelé Mme la présidente. Vous m'entendez ? Donc pour trois des budgets, c'est-à-dire le budget principal, l'eau et l'assainissement, il y avait des écritures de régularisation qui dataient des transferts de compétences eau et assainissement que la DDFIP nous a demandé d'intégrer, mais finalement le schéma d'écriture n'était pas le bon. Donc il fallait l'annuler et le repasser là de façon correcte cette fois-ci. Et pour le budget des ordures ménagères, là, c'était des écritures de cession qui ont été inscrites, alors qu'on n'ouvre pas de crédit pour les écritures de cession. C'est très technique, je suis désolée. Mais voilà, il fallait les retirer, c'était bloquant pour la trésorerie. Y a-t-il d'autres questions ? Nous allons passer au vote. Je vous propose de les voter
d'après, sauf si il y avait des votes contraires. Qui est contre? 159 à 164. Qui s'abstient? À l'unanimité. Point numéro 20, délibération 2023-165, crédit provisoire d'investissement au titre de l'exercice 2024, René Jourdain. C'est une délibération qui est prise en général dans toutes les, communes. Les budgets prédictifs 2024 de la CASFUE ne seront pas approuvés avant le 1er janvier. Selon le principe de continuité du service public, l'ordonnateur, pour continuer à engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement à la hauteur des crédits votés à l'année précédente jusqu'au jour d'adoption du budget prédictif. En revanche, l'engagement des dépenses d'investissement répond à des règles différentes. Celles-ci doivent faire l'objet d'un vote spécifique de crédit provisoire dont le montant ne peut dépasser 25% des crédits d'investissement ouverts l'année précédente, hors opération concernant les autorisations de programme et les remboursements en capital des emprunts. Il est donc proposé au Conseil communautaire de valider la liste de crédits provisoires d'investissement 2024 si vote respectant ces conditions. Merci René. Bon, c'est une délibération classique aussi. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Point suivant, numéro 21, CC 2023-166, signature des contrats de mixité sociale pour la période 2023-2025 sur les communes du Castelet, du Bosset, de la Canière d'Azur, de Bandol, de Saint-Nary-sur-Mer, de Saint-Cyr-sur-Mer, avec la CASLP et l'État. Oui, rapidement, bon, je vous fais grâce du rappel de cette règle, la loi du 3DS. Qui a amendé l'article 55 de la loi SRU en matière de rattrapage pour les communes encore déficitaires en logements sociaux. Et donc, dans le cadre de ce dispositif, qui nous permet d'atteindre, avant une obligation d'atteindre le ratio de 25% de logements sociaux à l'horizon 2025, cet objectif est supprimé au profit d'un taux de référence de rattrapage triennal, cette fois-ci, qui est fixé à 33%. Et c'est dans ce cadre, compte tenu des difficultés pour réaliser du logement social, que 6 communes du territoire de la communauté d'Aglo, Sud-Saint-Baume, le Bossé-Sanary, Saint-Cyr, Surmer, le Castellet, la Canière d'Azur et la Bandol, ont souhaité conclure un contrat de mixité sociale pour cette période triennale de 2023-2025. Ce dispositif nous permet donc d'abaisser le taux de rattrapage dans la limite de 25% sous réserve que la commune justifie des difficultés rencontrées, des spécificités territoriales, ainsi que des actions et mesures engagées prévues sur les prochaines années. Ça, c'est ce que nous avons fait au mois de mai, par là. Mai-juin, et un travail collaboratif en partenariat avec les services de l'État, les communes et la CSSB a été mené afin de pouvoir bénéficier de cet abaissement de 25% qui remplace celui de 33%. Et les 6 communes que j'ai précédemment citées ont délibéré pour approuver le contrat de mixité sociale avec la CSSB et l'État pour cette période triennale 2023-2025 afin d'envisager des actions et des outils pour produire des logements sociaux. Et la CSSB, évidemment, compétente en matière d'habitat, s'engage à travers les contrats de mixité sociale des 6 communes à les aider à atteindre les objectifs visés dans les 10 contrats par des moyens mis à disposition. Merci Patricia. Y a-t-il des questions? Monsieur Cotreau. Merci Madame la Présidente. Il y a les mots et puis ensuite il y a les réalités. Lorsqu'on dit le vivre ensemble, lorsqu'on dit mixité, on a l'impression qu'avec ces deux mots, on a réglé en partie le problème. Or le problème est bien en amont, à savoir que pourquoi il n'y a-t-il pas mixité sociale? Tout simplement, nous semble-t-il, parce qu'il y a un problème d'emploi, un problème d'emploi qui va donc poser aussi un problème de salaire,
Et puis ensuite, viendra bien sûr l'habitat. On sait très bien que c'est en particulier, notamment, la jeunesse de notre territoire, comme celle d'ailleurs d'autres lieux, qui souffre de problèmes de logement. La facilité, mais je la comprends, c'est de dire on va construire. Mais si nous regardons notre territoire, nous nous apercevons qu'il y a des éléments qui doivent être corrigés, peut-être, avant de construire, et exploités. Je parle notamment de l'action que nous avons commencé à mener contre, si je puis dire, le contre ne me plaît guère d'ailleurs, les résidences secondaires. C'est-à-dire il y a sur notre territoire une alerte quand même en matière de résidences secondaires. On voit de plus en plus des quartiers presque entiers quasiment fermés 9 mois sur 12. Et puis indépendamment de cela, il y a un élément que les communes ont pris en considération et qu'il serait souhaitable peut-être que notre territoire prenne en considération, c'est ce qui est bâti et qui n'est pas occupé. Et il est loin d'être négligeable ce parc-là. Si je prends la commune que je représente ici, mais peut-être mes chiffres peuvent être discutés, il y a à peu près environ 500 logements vides. Bien entendu, ils sont dans le domaine privé. Et il y a certainement là, de la part des communes, de la part de la communauté, d'avoir une réflexion là-dessus et de voir pourquoi ils ne sont pas loués. Pourquoi ils ne sont pas loués, pourquoi ils ne sont pas occupés. Peut-être que, comme certaines communes, eh bien, on peut entrer en relation avec ce parc, ses propriétaires, et chercher des solutions avec, bien entendu, la participation de la municipalité dans la rénovation, dans la recherche du locataire, dans l'assurance pour le propriétaire d'être réellement, véritablement bien payé, etc. Ne partons pas tout de suite sur cette piste regrettable, me semble-t-il, pour notre territoire, de transformer des terrains en véritable, peut-être demain, ghetto. Donc, c'est la raison pour laquelle je me permets d'intervenir en disant regardons l'existant et regardons où nous voulons aller. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Cotron, pour votre intervention. Je pense que chaque élu de chaque commune a bien conscience de cette problématique et fait au mieux en fonction des réglementations et des possibilités qui s'imposent à eux. Mais voilà, tout le monde est conscient de ça. Nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ah, vous abstenez. Point suivant, point 22, délibération 2023-167, délibération sur le choix du mode de gestion pour la gestion et l'exploitation d'un établissement de restauration et de services de proximité sur le territoire de la commune de Ribourg. La délégation de services publics conclue en 2019 afin de permettre la gestion et l'exploitation d'un établissement de restauration et services de proximité sur le territoire de la commune de Ribourg. En vue de l'obtention du label Bistrot de Pays arrive à son terme en août 2024. Aucune initiative privée n'ayant été entreprise, il convient de pérenniser cette activité afin de favoriser le développement économique du territoire. Il s'agit aujourd'hui d'autoriser la relance de la concession Bistrot de Pays sous forme de délégation de services publics pour une durée de 5 ans. Y a-t-il des questions ? Nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Point suivant, point 23, délibération CC 2023-168, avenant numéro 2 au contrat de délégation numéro 2021-10, service public pour l'exploitation de l'assainissement collectif des communes de Bosset, La Cadière, Le Castellet. René Jourdan. L'ancien syndicat intercommunal de vocation unique, qui était donc le CIBU, le Bosset, La Cadière, Le Zur et Le Castellet, a confié à la société CEO, qui est une filiale
de Veolia un contrat de délégation de service public avec effet au 1er janvier 2019. Madame la Présidente a sollicité le suivi de ce contrat de délégation de service public et un réexamen du niveau de rémunération après une première période triennale. La collectivité et la CEO ont convenu de modifier le contrat de concession par une baisse de la part variable du délégataire de 1,39 euros hors taxe et par mètre cube à 1,2067 euros hors taxe, toujours du mètre cube, l'ajout d'une clause d'intéressement aux bénéfices et aussi l'ajout d'une clause de revoyure tous les 3 ans à compter du 1er janvier 2024. L'avenant prévoit de rendre contractuel ces modifications, à savoir une baisse de la part variable du délégataire de 1,39 euros hors taxe du mètre cube à 1,2067 euros hors taxe, toujours pour le mètre cube, de rendre contractuel un nouveau fonds d'exploitation prévisionnel modifié pour tenir compte de l'écart de charge et la baisse de la part variable du délégataire, une clause d'intéressement aux bénéfices par le reversement de 50% du surplus du résultat constaté à la collectivité, et enfin, une nouvelle clause de revoyure tous les 3 ans à compter du 1er janvier 2024, soit en 2027, à l'issue de la période triennale 2024 à 2026. Il vous est donc proposé d'approuver le projet d'avenant numéro 2 au contrat de délégation numéro 2021-10, service public pour l'exploitation de l'assainissement des communes du Bossé et d'accueillir les eaux à la Castellet, auquel est annexé le compte d'exploitation prévisionnel recalé après la révision quadriennale. Voilà, Madame la Présidente. Merci, René. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point numéro 24. Délibération 2023-169, avenant numéro 1 du contrat d'affermage du service public de l'eau potable de Saint-Cyr-sur-Mer. La commune de Saint-Cyr-sur-Mer a confié à la Société des eaux de Marseille l'exploitation du service public d'eau potable sur son territoire par un contrat d'affermage ayant régulièrement pris effet au 12 juillet 2012 pour une durée de 12 ans. Ce contrat n'a été modifié à ce jour par aucun avenant. Afin de faciliter la gestion, le périmètre de la prochaine délégation de services publics pour la gestion de l'eau potable a été défini sur l'ensemble des communes du littoral à partir du 1er janvier 2025. Un avenant est nécessaire afin de prolonger la durée de la concession sur la commune de Saint-Cyr-sur-Mer du 12 juillet 2024 au 31 décembre 2024, afin de permettre de lancer la procédure de délégation de service public pour la gestion de l'eau potable des communes du littoral. La prolongation du contrat de concession entraîne une augmentation du chiffre d'affaires estimé à 852 350 euros, soit 4,5% du montant du contrat initial. En contrepartie de cette augmentation, des travaux d'amélioration seront effectués à hauteur de 68 000 euros hors taxe. Cet avenant ne constitue en aucun cas un quitus des sommes dues contractuellement à la collectivité dans le cadre des dispositions actuelles contractuelles. Un solde sera effectué conformément aux dispositions contractuelles à l'issue du présent contrat. Cette délibération permet d'approuver l'avenant numéro 1 au contrat de délégation service public eau potable de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer afin d'y intégrer les modifications susvisées. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point 25, délibération 2023-170, convention de partenariat technique et financier sur la démarche globale de la délimitation des aires d'alimentation des deux captages prioritaires, puis l'eau à Saint-Cyr-sur-Mer, puis des noyers au Castellet entre la CASSB et le parc naturel régional de la Seine-Bonne. Suzanne. Merci, Président. La communauté d'agglomération Sud-Sainte-Bonne souhaite s'engager dans une démarche globale sur la protection des ressources de deux captages prioritaires, puis l'eau à Saint-Cyr-sur-Mer et puis des noyers au Castellet. Les objectifs principaux de cette démarche sont de préserver la qualité de la ressource en eau, de restaurer de manière pérenne la qualité des eaux brutes prélevées par les captages prioritaires de ressources en eau souterraine qui a été dégradée par des pollutions anciennes, diffuses ou ponctuelles.
et d'assurer sur le court et le long terme la non-dégradation de la ressource en eau par de nouvelles pollutions, notamment par les changements de pratiques. La présente convention a pour objet la définition des modalités organisationnelles, techniques et financières entre le parc et l'agglomération, tout au long du projet d'étude et de délimitation des aires d'alimentation des captages du puits des Noyers et du puits Long et de leur vulnérabilité intersèque à une pollution anthropique, phase 1 de l'étape 1 de la démarche. Cette phase est financée à hauteur de 75% par l'Agence de l'eau. Le PNR, par naturel régional, est désigné maître d'ouvrage du projet d'étude par l'agglomération qu'il associe à chacune des étapes du déroulement de l'étude. Le budget total de cette phase 1 pour la communauté d'agglo est de 25 000 euros TTC, répartis pour l'année 2024, 15 000 euros TTC et en 2025, 10 000 euros TTC. En conséquence, il vous est proposé d'approuver la convention correspondante. Merci. Merci Suzanne. Y a-t-il des questions ? Nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Point suivant, point numéro 26, délibération 2023-171, participation employeur à la protection sociale complémentaire. Afin de pouvoir maintenir la participation employeur à compter du 1er janvier 2024 aux agents adhérents au contrat groupe prévoyance du centre de gestion du VAR qui arrive à échéance au 31 décembre 2023, il est proposé de maintenir une participation employeur de 5 euros à tous les agents qui seraient adhérents à un contrat labellisé en matière de santé, mais également de prévoyance. Au vu de l'évolution de la réglementation, une réflexion est actuellement en cours afin de proposer une révision éventuelle de ces montants très prochainement. Y a-t-il des questions ? Nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Point numéro 27. Délibération 2023-172, prolongation de mise à disposition de personnel au titre de l'année 2024. Afin de poursuivre la collaboration mise en place par le biais de la mise à disposition d'un agent de l'agglomération auprès de la commune de Savary-sur-Mer pour des missions d'ingénierie de l'habitat et d'aménagement du territoire, 30% pour la commune de Savary et 70% pour la communauté d'agglomération Sud-Saint-Baume, il est proposé de prolonger cette mise à disposition sur 2024. La convention est en cours, la convention en cours arrivant à échéance le 31 janvier 2024. Y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Point numéro 28, délibération 2023-173, modification du tableau des effectifs. Je propose une modification du tableau des emplois permanents dans le cadre de la réorganisation des services de l'agglomération qui a été engagée. Il est essentiel de renforcer rapidement tous les services opérationnels et supports afin de mener à bien tous les projets de l'agglomération. Y a-t-il des questions ? Nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Point numéro 29, délibération 2023-174, création d'indemnité accessoire urbanisme. Afin de pallier la démission d'un instructeur du droit des sols de l'agglomération suite à son arrêt maladie de plusieurs mois et dans l'attente de son remplacement, je vous propose de prolonger le versement d'indemnité accessoire à deux agents communaux. Y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Voilà, nous avons terminé l'ensemble des questions. Nous avons reçu une question d'un élu communautaire, M. Coutreau, de la commune de Savary-sur-Mer, qui a posé par courriel en date du 15 octobre une question concernant la mise en place de zonage ABC dans le cadre du dispositif d'investissement locatif d'Irobien, par un arrêté du 2 octobre 2023 qui permet le reclassement de plus de 200 communes et parmi elles 154 qui passent en zone tendue. Ce classement a pour but de soutenir la production de logements neufs sur des territoires marqués par un marché en tension, de favoriser le logement locatif intermédiaire et de faire bénéficier les nouveaux acquéreurs du prêt à taux zéro à partir de 2024. Donc la question de M. Coutreau est la suivante. Il me serait agréable que la nouvelle classification dont parle cet article relatif à la mise en place d'un simulateur pour vérifier si votre ville est désormais située en zone A, B ou C
soit porté à l'ordre du jour d'un prochain conseil ou fasse l'objet d'une communication applicative par votre présidente. Donc, pour vous répondre, Monsieur Coutreau, vous faites référence à l'arrêté du 2 octobre 2023 qui a été publié le 12 octobre, qui reclasse plus de 200 communes au titre du zonage ABC qui vise à favoriser l'offre de logement. Les communes françaises sont classées en fonction du niveau de déséquilibre entre l'offre et la demande de logement. Les 5 catégories de zones géographiques par ordre décroissant de tension sont les suivantes. Catégorie A, A bis et B1, zone considérée comme tendue. Catégorie B2, zone en déséquilibre. Et catégorie C, zone non tendue. Il est précisé qu'aucune commune de l'EPCI n'est concernée par cet arrêté car toutes sont déjà classées en zone A ou B1, SIN est en B1, donc déjà en zone tendue. Cet arrêté n'a vocation qu'à faire entrer de nouvelles communes dans ce dispositif déjà existant et applicable sur notre territoire. Voilà, j'ai répondu à votre question. Je vous en prie, allez-y. Je tenais à remercier les services auxquels j'ai adressé ce courrier. Qui ont très vite réagi et qui m'ont donné les explications que vous venez de rapporter à notre conseil. Donc je vous remercie également de votre mise à jour. Je vous remercie, c'est trop pour eux. Et donc avant de clôturer la séance, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, puisqu'on ne se retrouvera pas d'ici là. Et je vous propose de nous retrouver le mardi 16 janvier à 18h. En ce même lieu pour la présentation de mes vœux. Et le prochain conseil communautaire aura lieu le 11 mars 2024. Vous l'avez déjà noté dans vos agendas. Voilà. Donc, au plaisir de vous retrouver tous et joyeux Noël à tous. Merci à vous.